Bonjour Magali. Bonjour Vincent. Aujourd'hui, on est le 27 août 2020 et donc là, on fait ta première interview du Tour de France 2020. Tu es la 12e interview. Dans cette interview, ce qu'on va voir, c'est tes débuts donc dans la multibancarisation, c'est-à-dire quand tu as découvert les banques en ligne. Donc aujourd'hui, si tu regardes cette interview, eh bien, ton objectif, c'est de regarder comment Magali a démarré, a débuté, a découvert les banques en ligne et comment ça s'est bien passé parce qu'elle a eu aussi des peurs au démarrage et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Et ensuite, il y aura une deuxième interview où on ira un petit peu plus loin, découvrir ton parcours où je viendrai te rencontrer donc chez toi directement en France. Je te remercie déjà Magali donc pour cette interview et je vais te demander de te présenter dans un premier temps, c'est-à-dire de dire ton âge, ta ville. Et ça, c'est important, ta ville, parce que moi, je vais venir dans ta ville aussi. Et également, ce que tu fais dans la vie de tous les jours. On t'écoute, Magali. D'accord, bon bah j'ai 37 ans, j'habite donc en région parisienne à Wissous, donc voilà, côté d'Orly pour situer, et je suis donc à mon compte en tant qu'assistante virtuelle. Super, super, super. Alors, dans un premier temps, la première question, on rentre dans le vif du sujet, c'est comment tu as découvert pour la première, je dis bien la première fois, les banques en ligne, c'est-à-dire la première fois que tu as entendu le mot Boursorama, Hello Bank, Fortuneo, la première fois, c'était quand? Ça remonte à 3 ans à peu près. À 3 ans. 3 ans. À trois C'était ans. quelle banque la première? La première, ça a été Fortuneo. C'était dans le cadre de mon travail à la base. Tu nous racontes un petit peu comment tu qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, tout simplement, je l'ai découvert pourquoi? Parce que, étant à mon compte, en statut auto-entrepreneur, il y a eu une loi qui est passée qu'on devait dissocier nos comptes avec nos comptes personnels. Et ma banque me prenait des frais exorbitants alors que j'étais indépendant. Donc j'ai dit non et j'ai cherché ailleurs. Et j'ai tombé sur Fortuneo justement qui proposait donc un compte en ligne gratuit avec une prime. Donc c'est là où j'ai commencé à entendre parler des primes, sans vraiment rentrer dans le détail. C'est vrai que j'ai vu ça, j'ai trouvé l'occasion intéressante. Voilà. Alors, deux choses. La première, si tu bouges comme ça tout le temps, il y a ton micro, enfin ta caméra qui bouge comme ça. Donc, je ne suis pas sûr que. Attention, parce que les gens, ils vont faire comme ça quand ils regardent. La deuxième chose, alors, ce qu'on peut remarquer dans ta situation, c'est que toi, tu avais un besoin. C'est-à-dire que l'information n'est pas venue à toi comme ça. Tu as été chercher l'information. Et c'est là où, de suite, tu as pu voir ton intérêt, qui était effectivement d'avoir des frais beaucoup moindres que dans les banques traditionnelles. Alors, du coup, je voudrais quand même te poser une question importante. C'est quand tu y as été, enfin que tu as fait des recherches, peut-être qu'il y avait des informations très importantes pour toi pour passer du traditionnel, d'une agence, d'une banque traditionnelle à Internet. Est-ce qu'il y avait des points sur lesquels tu te disais, ça c'est important que j'ai l'information, ça c'est quelque chose, s'il n'y a pas ça, c'est mort, je ne passe pas sur Internet. Est-ce que justement tu peux nous dire Tout qu'est-ce à que c'est fait. qui était important pour toi? Donc, il y avait deux points importants, c'est pouvoir avoir quand même un conseiller en ligne. Ça, c'est important parce que s'il y a des choses à faire, on ne peut pas forcément tout faire en ligne et avoir un conseil. Donc, ça, c'était primordial. Et puis, le deuxième, c'était connaître s'il y avait des coûts. Et il n'y avait aucun coût, sauf si, bien sûr, voilà, il y a des choses qu'on ne respectait pas, mais c'était zéro frais. Donc, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est ça qu'on cherche aussi parce que si on a déjà, quand on commence, l'activité n'est pas forcément… Pareil, identique tout le temps, donc limiter un maximum les coûts. Et là, il n'y en avait pas. Donc, en tant qu'entrepreneur, ce qui est important pour toi, c'est d'une part l'accessibilité à l'information par rapport à la banque et qu'elle te donne une réponse. Donc, en tant qu'entrepreneur, tu veux une accessibilité rapide à l'information. Et la deuxième chose, c'est au niveau des coûts, parce que quand on est entrepreneur, ben forcément, on doit calculer ses coûts parce qu'il n'y a personne qui va nous donner, entre guillemets, de l'argent qui va tomber à la fin du mois. Ce n'est pas un CDI ou un CDD, enfin là, c'est nous, on fait nos résultats. Donc, c'était important le temps que tu y passes avec l'accessibilité, combien de temps tu as pour avoir l'accès à l'information. Et la deuxième, les coûts et les tarifs. Alors maintenant, on passe un petit peu plus développé, puisque tu as donné déjà des prémices de réponse. Comment ça s'est passé sur l'accessibilité? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as pu découvrir déjà dans un premier temps quand tu es passé sur la banque en ligne? Si réellement, du coup, tu as eu plus d'accès, moins d'accès, qu'est-ce que ça a donné? Et aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que tu peux dire sur l'accessibilité à l'information? Donc bah, moi à l'époque j'étais la seule, donc l'accès à l'information était quand même assez facile, je dirais, par rapport à mes recherches, puisqu'en plus ils sont, bah, je parlais, bah, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a le service clientèle, c'est que je les avais appelés aussi pour m'assurer de certains points, notamment qu'il n'y ait pas de frais cachés, qu'au niveau de la réactivité, si on a besoin d'informations, est-ce qu'ils sont réactifs? Et ça, c'était top. Et ça a été très simple d'accès en fait.
Après, j'ai l'avantage, c'est que tout ce qui est dans le milieu informatique, tout ce qui est les échanges, c'est mon cœur d'activité aussi, donc j'ai l'habitude des échanges. Mais franchement, c'est quelque chose de très simple, tout est indiqué par étape, il suffit de laisser suivre. Si on prend un questionnaire, on se laisse guider en fait. Donc, pour des personnes qui sont des entrepreneurs, qui travaillent sur Internet, qui ont déjà, je dirais, cette habitude de travailler sur Internet et puis d'avoir donc du contact à distance, je dirais, c'est très simple, comme une personne comme toi, je dirais qu'il a fait, et ça, c'était très simple à ce niveau. Ok. Alors, moi, ce que j'aimerais aussi que tu dises, c'est, là, tu parles que de la banque en ligne, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que tu dises, c'est quoi la comparaison de l'avant et l'après? L'avant, la banque traditionnelle, et l'après, la banque en ligne. Parce qu'on dit, oui, c'est simple. Oui, mais c'est simple par rapport à quoi? C'est-à-dire qu'avant, tu avais quoi comme situation avec ton banquier? Combien de temps il te fallait pour avoir l'information? Et après, combien tu as mis de temps pour avoir l'information quand tu avais besoin d'une information avec ton expérience et ton retour d'aujourd'hui? Donc, bah moi, l'expérience que j'ai, c'est qu'avec mon banquier, il fallait que je le cours après, entre guillemets, pour l'avoir. J'appelais et je l'avais pas tout de suite. Déjà, à l'époque, en plus, ils ont basculé. Maintenant, on a les appels, on a les numéros directs. Mais on passait par les plateformes de services clientèle qui nous renvoient et au final, ils sont incapables de nous faire quoi que ce soit. Que ça soit pour une demande de RIB, pour machin, il faut qu'on passe par nos conseillers à chaque fois. Donc, on nous renvoie la balle. C'est un peu la pub, je sais pas si tu te souviens, à l'époque, il y avait faites le 1, faites le 2, faites le 3, faites le 4, au final, avec. Bon, en gros, c'est à peu près ça. Tandis que là, avec la banque en ligne, les banques en ligne, hein, peu importe lesquelles que j'ai eues, ils sont super actifs. On appelle, alors bien sûr, il y a des fois, il y a des périodes un peu plus comme là dernièrement, quand voilà, il y a un sous-effectif ou des vacances, mais sinon, ils sont super actifs. Ok, alors c'est ça que c'est pourquoi en fait je fais ces interviews et pourquoi justement je demande de faire le point là-dessus, c'est que quand on a l'habitude des banques en ligne, et c'est ce qu'on a pu voir dans les autres interviews avec mes autres élèves, c'est que finalement, on a tellement habitué au confort que tout se passe bien, qu'on dit oui, c'est bien, et puis voilà, c'est genre c'est normal, mais en fait, on ne se souvient pas de l'avant. Et les personnes qui regardent cette interview, ben peut-être que toi tu regardes cette interview, tu es encore à l'avant et toi tu dis non mais dis que c'est super bien, non mais laissez de me vendre son truc, c'est pas possible. Et là, le fait est justement de raconter que toi aussi tu étais en train de courir après ton banquier avant, eh bien les personnes se disent ah ouais, mais finalement elle a connu comme moi. Et c'est ça en fait qui est important à dire dans ces interviews, c'est-à-dire c'est quoi le avant et c'est quoi le maintenant. C'est là qu'il faut se rappeler toujours de quelle chance on a aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'était le passé, que c'est encore le présent de certaines personnes aujourd'hui? Parce que ça se trouve, toi qui regardes cette interview, il y a 4 millions de Français qui sont sur les banques en ligne sur 60 67 millions. millions. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore du beau monde, comme toi certainement qui regardes cette vidéo, qui tu es en train de courir derrière ton banquier, tu te dis, oh, ouais, ben, moi je cours, ah oui, ah, mais elle l'a fait elle aussi, ah bon, d'accord, ah oui, et tu as mieux, ah d'accord. Il faut savoir parler du passé pour nous, entre guillemets, qui sommes déjà dedans, pour leur dire, il y a un futur, il y a un après, si effectivement tu te bouges les fesses et que tu vas ouvrir tes comptes. Et de préférence avec Magali qui est dans cette interview. Donc, maintenant, la deuxième chose qu'on va faire, c'est parler justement, tu as dit, l'accessibilité et les tarifs. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, mais je veux que tu le répètes bien haut et fort. Quels sont les tarifs, je dirais, quand tu as ouvert? Par exemple, chez Boursorama, comment ça s'est passé justement aujourd'hui? Est-ce que justement tu as des frais? Sinon, alors on ne va pas donner les techniques si jamais justement on sait comment faire pour ne pas en avoir, parce que le but c'est aussi que les personnes viennent à toi pour découvrir ces techniques. C'est ce que je vous apprends aussi. Et puis si tu veux te bouger les fesses, il faut aussi que tu passes par des professionnels, des personnes intéressantes et intéressées par le domaine de la multibancarisation et qui font les choses bien. Si on fait les choses, on les fait bien ou on ne les fait pas. Mais globalement, aujourd'hui, chez Fortuneo, est-ce que tu as des frais? Oui ou non? Zéro. Eh bien voilà, c'était la réponse parfaite. Et c'est tout ce qu'il y a besoin de dire. Parce que le problème aussi, c'est qu'on essaye souvent d'expliquer beaucoup dans la technique. Mais en fait, on fait peur aux gens. En fait, aujourd'hui, on a une méthode qu'on a mise en place avec, effectivement, alors, je dirais même qu'on en a deux, mais les deux méthodes, si on souhaite garder la carte ou souhaiter pas, enfin voilà, garder la carte ou pas garder la carte, j'ai déjà trop dit. Mais dans tous les cas, en 3 minutes chrono, on fait en sorte qu'on n'a plus de frais. Et là, on parle juste de Fortuneo. On a parlé de Boursorama dans d'autres interviews, mais là, c'est Fortuneo. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on s'y connaît un minimum, eh bien, les choses se passent bien. Mais pour ça, il faut avoir la bonne personne en face de nous. Alors maintenant, eh bien, voilà, tu as raconté ton expérience. C'était le but de cette interview, de cette première interview. Donc, on va terminer cette première interview par une dernière question toute simple. Ça ne concerne pas directement la multibancarisation, mais s'il y a des personnes, je dirais, qui voudraient venir travailler avec moi, Magali, qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à mon travail? C'est l'accompagnement parce que mine de rien, une méthodologie. J'essaie de faire ça parce que de ne pas tout dire non plus. Mais c'est ça, c'est important, une méthodologie, une équipe aussi qui nous permet de résoudre pas mal de choses et d'aller vite en fait, d'avoir les bonnes méthodes.
Et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui, parce que plus c'est long, plus on y revient, les gens arrêtent. Tandis que si on fait les choses bien dès le début, ça prend un petit peu de temps et ensuite tout est carré et c'est top, quoi. Donc voilà, Parce c'est que vraiment ce soutien à l'équipe. si je résume, toi, vraiment, ton besoin le plus important, tu es une entrepreneuse qui travaille sur Internet, tu as besoin d'efficacité, tu as besoin de gain de temps et tu as besoin que ça fonctionne et d'avoir des résultats. Et donc, pour Tout à fait. cela, en fait, auparavant, eh bien, tu te dispersais, tu n'avais pas forcément de méthode et du coup, tu n'étais pas forcément efficace, tu perdais beaucoup de temps et du coup, c'était dommage parce que tu disais, il y a quelque chose à faire, mais tu ne savais pas comment le faire. Et le fait d'être venu travailler avec moi, tu as appris tout cela. Et effectivement, Exactement. l'équipe, c'est aussi un bonus. Attention, ce n'est pas d'entrée parce que ce que je vais dire maintenant, alors je vais me présenter rapidement et je vais dire ce que je propose rapidement, rapidement pour terminer cette interview. Donc, moi, je m'appelle Vincent Tamisier, j'ai 35 ans. Donc, aujourd'hui, je suis originaire de Bordeaux et j'ai fait plus de 80 000 € de primes de recommandations dans les banques en ligne. Ce que je vous enseigne, puisque j'ai enseigné effectivement à plus de 150 personnes en direct depuis 2 ans, 2 ans et demi. Et donc, effectivement, ce que je vous enseigne, c'est à ne pas courir après les personnes, mais à les faire venir à nous. Et là, il y a un premier petit produit sur justement avec mon e-book à 77 € que tu auras le lien dans la description. Et il y a un deuxième produit qui est la formation parce que toi, Magali, tu as été avant parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de coaching. Ça s'est terminé, effectivement. Mais tu as effectivement la formation où il y a toutes les vidéos à l'intérieur et qui sont très très complètes. D'ailleurs, dans l'avenir, enfin dans l'avenir, ça se trouve, tu regardes ces vidéos, c'est déjà fait, mais il y a une bibliothèque avec tout, je dirais, toutes les questions qu'on m'a posées pendant les coachings et tous les extraits de ces coachings que tu auras également à l'intérieur et qui va tout expliquer par rapport à tout cela. La formation, elle est à 497 € ou 99 € par mois sur 6 mois si tu veux le faire en plusieurs fois. Et donc, pareil, tu as tout en description. Et donc, maintenant, c'est à toi de te bouger les fesses si tu veux avoir une méthode être efficace, sachant qu'une seule personne aujourd'hui, au moment où je te parle, quand on ouvre les comptes, c'est 420 €, je dirais, de gain pour effectivement la personne qui ouvre et pour toi également. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième interview quand je vais venir te voir donc en septembre. Cette interview va passer normalement début septembre, je pense à deuxième parce que tu es déjà dans la 12e et on démarre à partir du 1er septembre, la 12e interview. Et donc, par rapport à cela, eh bien, prépare-toi. Alors, le petit bonus de cette interview que tu regardes à la fin, c'est que si justement tu connais Magali, eh bien, tu te bouges les fesses pour aller ouvrir les comptes rapidement avec elle parce qu'elle va te faire les choses propres et carrées, efficaces. Il n'y a pas de temps à perdre, mais c'est des résultats. C'est le plus important. Mais la deuxième chose, c'est que moi, je vais venir aussi. Et au moment où je vais venir rencontrer Magali, eh bien, tu te mets en contact avec elle. On ira se boire un verre tous ensemble, je répondrai aux questions de toutes les personnes. On peut se faire un grand pot effectivement avec tout le monde. Et donc à partir de là, je répondrai à toutes les questions de tout le monde. Comme ça, tu pourras ouvrir tous tes comptes avec Magali. Elle va se faire plein de sous-sous pour accomplir ses désirs, ses projets et ses rêves. Et moi, de mon côté, je me ferai connaître. Et surtout, toi, tu auras la réponse à toutes tes questions et tu seras, je dirais, rassuré pour démarrer. Je te remercie, Magali, pour cette interview. Et donc, je te dis Merci. à très vite pour la deuxième interview. Avec plaisir, à bientôt. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon ebook et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde!